Tata Afad Bintou. Très bien. Du bruit. Voilà. Alors, ce soir nous sommes là parce que tout simplement nous sommes en vacances, n'est-ce pas? Et le directeur a demandé tout à l'heure. Dans quel cadre sommes-nous en vacances? Vous avez dit que nous sommes en colonie de vacances. Colonie de vacances. Amadou Ba. Et le directeur de la colonie s'appelle le directeur de la colonie s'appelle Elaj Mor Mangan. Vous répétez après moi. Elaj Mor Mangan. Voilà. Alors, si je suis en train de faire des choses, je sais que nous sommes à l'école. Nous sommes juste à bavarder classe. Si nous bavarder, nous sommes. Donc, vous êtes la colonie que vous avez dit. Colonie de vacances. Qui quoi dit, qui quoi dit. Allez, il va le dire très fort, on va voir. Écoutez. La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. On reprend. Voilà, la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. La
au Sénégal émergent. Bon, bien, am ngeen 1 sur 2. Tout ngeen am moyen. Légui ñi yeen la gëna wolu. La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent ensemble. La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. Di ngeen ko waxé baax na trop mais da ngeen koy def dank ñu nankal. La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. Ah, yen am ngeen 2 sur 3. La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. Eh, t'as tout l'en gars, ouais. Alors, finalement, non. Finalement, t'as tout l'en gars, mieux que t'en beaucoup. Alors, citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme étant l'avenir de la... De quelle nation? Guinéenne? Sénégalaise. De la nation sénégalaise. Est-ce que la nation sénégalaise peut se construire sans nous? Non. Pourquoi? Parce que... Oui. Parce que nous sommes des citoyens sénégalais. Parce que nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes étant l'avenir étant de demain. Donc nous sommes l'avenir. Nous sommes l'avenir du pays. Donc c'est pourquoi la nation se construira seulement qu'avec nous. Alors, est-ce que nous tout temps que nous avons ce que nous devons faire pour que le Sénégal nous soit. Lan lañu wara def? Ne pas jeter les ordures. Très bien. Éliminer la corruption. Nous les petits, nous les enfants. Ah waouh, on va sensibiliser. Hein? Voilà. Oui. Ouais. Ah, quoi, il dort, il est pas là. Bon, qu'est-ce que nous, jeunes, pouvons nous faire pour être en phase avec l'émergence? Travailler quoi? C'est quoi travailler? Bien travailler à l'école, donc bien étudier. Et quoi? Oui? Ne pas salir l'environnement, respecter notre environnement, respecter nos parents, respecter les grandes personnes, mais également respecter les symboles et les emblèmes de notre nation. Alors, donc, chers enfants, ne pensez pas que vous n'avez que des droits. Vous avez également des devoirs. Avant de réclamer ses droits, il faut faire ses devoirs. C'est pourquoi vous avez un rôle très important à jouer. Est-ce qu'un enfant indiscipliné peut être l'avenir de sa nation? Non. Est-ce qu'un enfant paresseux peut être l'avenir de sa nation? Non. Est-ce qu'un enfant irrespectueux peut être l'avenir de la nation? Non. Alors, est-ce que vous êtes de ces enfants-là? Non. Je suis certain que vous n'êtes pas de ces enfants-là. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir très fort, de vous applaudir vous-même. Je vous remercie les enfants. Ce sera que partie remise. Demain, dans vos groupes respectifs, les tontons vont continuer à partager. Et pour le thème, également pour le sous-thème, où on parle de la préservation du bien public. Lu ñepp mom, est-ce que amna ko am yow kenn war nga ko mëna yak? Hein? Nga né mo yoon bi yoonu bour la. Kan moy bour? Ñun ñepp ñoy bour. Alors, ku nekk bu ñewoon kay suba tel, mu jël ben morceau kay bu ndaw, mu sandé ko ci yoon. Est-ce que Sénégal yépp la dé? Ñu jëndando ñom ñepp ku nekk yoon ben kay bu ndaw, rek mu ñew sandé ko ci tali. Est-ce que vous avez un problème? Non, vous avez un problème.
Donc le bien nous appartient tous, donc il faut le préserver. Préserver.